bien. Je te mettrai dans le Concorde. Juste pour toi, je vais te faire décoller ce putain de Concorde. Red Dog Paris. Il y a toute la ville qui veut voter contre moi. Mais qu'est-ce que je te dis? Ils voteront contre nous. Le seul moyen que t'as, alors, Vivian, c'est retourner la tête à d'autres personnes du clan de Raph. Hein. Jamais de la vie, ils feront. Mais c'est ta seule carte à jouer, alors. C'est ta seule carte. Ouais, renvers, et alors, péter le cerveau. C'est ta seule carte. Ils feront pas. T'as rien à perdre. C'est impossible. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Non, mais là, on est cuit. Moi, je me dis clairement, on est cuit. J'entends que le mot, voilà, Vivian Eva, Vivian Eva, Vivian Eva. Non, j'entends que le mot Vivian, pas le mot Vivian Eva. J'entends que le mot Vivian, Vivian, Vivian. Donc, du coup, malheureusement, Eva, elle est avec moi et malheureusement, je tirerai pas vers le bas. Et on va être nominé, éliminé à cause de moi, quoi. Le seul truc à faire, je te dis, c'était entre guillemets, puisque Nicolo Virginie, ils savent que Nicolo Virginie, ils sont avec nous, avec eux, ils savent, ils sont avec personne. C'est de leur faire c'est vrai. Leur faire voter Nicolo Virginie. Clairement, en leur disant qu'ils sont avec personne. Parce qu'ils sont avec nous comme avec eux. C'est la seule chose à faire. Et oui, ah non, mais à un moment il faut qu'on sauve notre peau. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère que ce soit eux que nous. Hein. Même si vos amis. On dort dans la même chambre. Je, ouais, pas trahir, je préfère voter pas. Contre toi. Je voterai jamais contre Romain. Je voterai jamais contre Max. Je voterai jamais contre Virginie. Mais le problème, c'est que là, tu protèges. Tu protèges le clan adverse. Virginie Colo, c'est le clan adverse, c'est pas ton clan. Non, mais Crash et Lou, en fait, ils ont rien compris. On doit être alliés, on doit être soudés. On est nominés l'un face à l'autre. Et on a l'impression qu'ils sont bêtes à manger du foin. Ah non, mais là, je tombe de 1000 étages, en fait. C'est quoi ça? Notre alliance, elle tient pas du tout. C'est pas des gens de parole. En tout cas, nos alliés. Je suis choquée, là. Ils peuvent devenir nos ennemis. Non, mais je suis choquée, Vivian. Ouais. C'est pas grave, mon amour, je suis là avec toi. Très bien, écoute. Il a un don pour ne jamais me calculer, c'est dingue. C'est Nico, il va pas, excuse-moi. Tout à l'heure, je lui parle, il me calcule pas. J'ai pas fait ce que tu disais. Mais ça, j'ai pas fait attention à ce que tu disais, désolé. Non, mais ça fait une heure que je te parle, mais c'est choquant. En fait, j'en ai vraiment marre que Vivian pense qu'à sa pomme, qu'il pense stratégie que... Pour lui, en fait, qu'il en parle, il m'en parle même pas, j'existe pas, en fait, il ne me calcule jamais. Là, il commence vraiment à me gonfler. Surtout, je l'avais prévenu, j'ai dit, si tu commences à me mettre de côté, à faire passer la stratégie avant moi, etc., c'est pas possible. Il m'a fait la promesse qu'il le fera pas, et là, c'est ce qu'il est en train de faire, en fait. Eva, arrête de faire la tronche. Tu me calcules pas, je te parle depuis tout à l'heure, Vivian. Tu me regardes même pas, on dirait un b***. Tu parles à tout le monde sauf moi. Mais je savais pas. J'existe pas, alors que je suis ta copine. Pas du tout, mais on est deux, en fait, j'ai l'impression que c'est tout le monde contre Vivian, mais genre. En fait, j'ai l'impression qu'il est seul dans le jeu, genre, il y a que Vivian. Mais moi, j'existe pas, en fait. Mais parce que je t'explique. Pas, tu me calcules pas, en fait. Bah, je t'explique. C'est lui qui fait aller partout. Toi, t'as l'air posé. Mais toi, aller partout. Mais j'ai partout de quoi? Moi, j'ai fait mon clan, ça suffit. J'ai pas le faire mon clan. Bon, tu as le clan. Ton clan, apparemment, c'est ton clan. Et je te souhaite bon courage pour demain, en tout cas. On se fera éliminer, voilà. Bon courage. C'est bien, c'est pas... Vraiment bon courage. Voilà. J'y vais pas de main morte, tu connais Vivian. Lui, si j'avais été en position de faiblesse, il serait venu... Il aurait poussé à bout. Donc là, je suis contente que tu le passes. Voilà. C'est. Je rends la petite monnaie de sa pièce. Il fait même pas confiance à ses propres amis. Non mais gros, mais en même temps, c'est normal, Raphaël, vu comment c'est passé. T'as plus d'amis, t'as plus de femmes. Mais ça va. Non, mais c'est une blague. Et j'ai quoi alors? Mon slip et ma casquette? Je me sens vraiment seul. J'ai l'impression que j'ai tout le monde contre moi. J'ai mes amis qui sont mes ennemis. J'ai Eva qui est contre moi. En fait, j'ai l'impression que le gros souci, c'est moi. J'espère que ça va s'arranger parce que c'est un début d'aventure chaotique pour moi.